Cette nouvelle disposition qui devrait permettre de lutter contre le travail illégal. À partir de jeudi, le chèque service aux particuliers sera remplacé par l'application Titeti Ohipa, téléchargeable sur smartphone et tablette. Pour son utilisation, l'employeur devra disposer d'un compte Tato et d'une carte bancaire. L'avantage pour le salarié, percevoir plus rapidement son salaire en 3 jours maximum, alors qu'il fallait attendre 15 jours avec le chèque service. Pour l'employeur, c'est un gain de temps. Écoutez les précisions de Virginie Bruand, ministre du Travail, puis du directeur de la CPS, Vincent Fabre, au micro de Sandro Lee. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre toujours de la modernisation du Code du travail, donc de simplification des démarches administratives, mais également dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Pour l'employeur, une simplification des démarches puisqu'il n'aura plus à se déplacer à la banque pour commander son chèque emploi-service, pour aller le récupérer. Tout se fera sur l'application. Et pour l'employé, au lieu d'être payé sous 15 jours, puisque à l'époque avec le chèque emploi-service, entre le moment où tu déposes le chèque sur ton compte et le moment où tu l'as sur ton compte, il se passe entre 10 et 15 jours. Demain, grâce à l'application, comme le paiement se fera par l'intermédiaire de la carte bleue de l'employeur, ça sera sur le compte de l'employé entre 1 et 3 jours ouvrés. Ce qu'on espère au travers de cette application, c'est d'inciter les utilisateurs actuels des chèques services aux particuliers, mais également tous ceux qui aujourd'hui n'utilisent pas ce dispositif, de déclarer leur salariés, leur prestataire, et de faire en sorte de faire rentrer dans un système on va dire légal et officiel, tous les prestataires, tous les gens de maison. Et au travers de cette déclaration, les gens seront couverts. Et c'est très important de protéger à la fois l'employeur, mais également les prestataires. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.